Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis en ce mercredi pour une nouvelle vidéo pack opening qui va regrouper le pack SBC Tots League garantie avec aussi les amis le SBC grosse affiche en espérant qu'aujourd'hui tout se passe comme prévu parce que nous sommes mercredi, nous sommes marseillais et nous sommes en finale contre l'Atlético Madrid. Donc j'espère que tout se passe comme prévu. De toute façon on n'est pas favori, donc si on perd on aura moins de regrets que si on était favori. Mais bon, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Allez, c'est parti, on commence directement par le SBC grosse affiche. Alors, j'ai pas les prix sous les yeux, mais bon, voilà, vous connaissez les bails des différents SBC grosse affiche. Quoique, je peux vite fait jeter un petit œil. Mais voilà, c'est à peu près, allez, 30-35 000 crédits à tout casser à chaque fois. Le premier, OM Atletico en rapport à la finale. Bruges contre la Gantoise, Poznan contre Legia et le CD Aves contre le Sporting Portugal. On commence par la finale de l'Europa League, un joueur marseillais Steve Mandanda, un joueur de l'Atlético Madrid Diaby. Et après j'ai fait une petite équipe avec, couper l'équipe en 3 pour avoir entre guillemets 3 championnats. En plus que le droit à max joueur d'AM, championnat 4, donc 2 fois 4, 8, il reste 3 joueurs. C'est à peu près le tarif. Donc 3 joueurs de Liga BBVA ici. Vous mettez qui vous voulez. 4 joueurs de Liga en plus de Mandanda. J'ai mis Marcelo, Siri et Maltui. Après je suis parti sur une petite BPL. Principalement avec des Anglais, Noble, Shelby, Austin et Wilson. Voilà, défi assez simple qui coûte aux alentours des 12-13 000 à crédit. Et on obtient un pack joueur premium or. C'est un pack, si j'ai pas de conneries, à 25 000 crédit. On enchaîne sur le second défi. Bruges contre la Gantoise. Défi à peu près 10 000. Lui aussi, voilà, il faut un joueur de Bruges ou un joueur de la Gantoise. Moi j'ai mis deux joueurs. De Bruges, avec Werner. Vermeer, avec le défenseur aussi belge, Brandon Metchelly. Après, j'ai complété tous les joueurs qui traînaient en fait dans mon club du côté de la D1 belge et j'ai mis juste un petit milieu gauche, Piatti ici qui sert à rien, mais bon, il fallait un tout petit peu plus de notes, il fallait 74. Du coup, c'est le cas. Alors, je peux vous vite fait vous montrer les joueurs, mais voilà, Metchelly, Dusen, Baudry, Werner, on a déjà vu. Milieu droit, j'ai mis un latéral droit, Goreum. Dans l'axe, Marekek, Yali ou Jali, peut-être Piatti. En numéro 10, Pozuelo et en point ça avec Ar, bah oui, le joueur tunisien. Voilà, on valide, les amis, ce petit défi assez cool. Ils sont vraiment pas castel ces défis, hein. Franchement, même pas très cher, c'est 10K en moyenne. Pour chaque défi, pareil pour ce défi, Poznan contre Legia. Il faut des joueurs de Poznan ou de Legia. J'en ai mis deux ici, deux du même club. Il s'agit de Poznan, Yaniki avec Tralka. Et après, vous complétez avec deux autres joueurs, entre guillemets, soit de, voilà, de la D1 polonaise. Vous prenez pas la tête, c'est le cas. Et après, j'ai fait un petit côté France avec quelques joueurs de Ligue 2, un milieu droit de Ligue 1, un latéral droit de Serie 1. Et après, ce sont juste des joueurs pour avoir au moins 4 championnats à l'intérieur. Petit pack joueur horreur en récompense. On enchaîne directement sur le CD Aves contre Sporting, le 4e et dernier des défis, à peu près 8000 à crédit en moyenne. Il faut un joueur du Sporting ou deux joueurs réunis. Bref, j'ai mis Coates et le buteur ici de Villa, c'est Villa Das Aves, le buteur brésilien Derlei. Et après, j'ai complété avec tous les joueurs qui traînent au fond de mon club. Mettez des petits joueurs D1 portugais, des petits argents, voilà, vous prenez pas la tête. C'est vraiment pas cher. Voilà les différents joueurs, vous pouvez prendre les mêmes, mais c'est en fonction généralement de ce qu'on a dans notre club, parce que ces défis sont vraiment simples. Pas de soucis de collectif, pas de soucis de notes bêtement. Donc au final, tu peux mettre n'importe quel joueur dès que tu as mis les joueurs des clubs. Tu as fini le défi. Donc voilà, on va aller de le pack Premium Or et en récompense globale. Si je dis pas de conneries, c'est un bon pack. Hein. C'est un pack à 45K, pack joueur Or Prime. On va aussi valider le défi pour le Tots Liga Santander. J'ai mis Calderon à l'intérieur parce que je me suis dit autant m'en débarrasser. Je suis pas fan, vraiment pas fan de José Calderon. Et après, bah, j'ai fait une petite équipe avec beaucoup d'invendables. Hein. Bah, vu qu'elle est SBC entre guillemets Liga, j'en ai fait plein et j'ai chopé plein d'invendables. Du Asenjo, pareil pour Asensio, du Nzonzi. Bref, c'est quasiment full invendable. Donc on part sur du Asenjo, Kyle, Ruiz, Martinez, Vasquez, Nzonzi, Asensio, Inaki Williams, Zaza et Bruno avec le petit tot ici, Calderon. Voilà, donc on valide et on ira obtenir après notre joueur Liga Tots garanti en espérant avoir un joueur mieux terrain ou offensif. Parce que pour le moment, il y en a eu 3, il y en a eu 2 de BPL et 1 de Liga BVA. J'ai eu 2 défenseurs, 1 gardien. Donc en espérant avoir quand même un joueur
mieux de terrain ou attaque. Ça peut être cool. Allez, on commence par le pack premium or. Bon, pack à 7500 classique, hein, 12 éléments, 10 éléments dedans. Or avec 3 rares. Pas d'animation, on skip. Est-ce qu'on peut avoir du tas dedans? Je pense. Mais voilà, il faut avoir quand même de la chance. Bah, ça y est, on l'a mis dans un SBC. Hop, il est revenu aussi vite qu'il est parti. Nijland, ok, le buteur hollandais. On enchaîne maintenant sur le pack à 15 000 crédits. Pack Jumbo Premium Or, 24 éléments et 7 rares à l'intérieur. Pas d'animation, on peut skipper, ça fait gagner du temps. Ouais. Bon, 1000 crédits, on va dire, on prend. Mais bon, voilà, pas beaucoup de rares en joueurs à l'intérieur. C'est malheureusement dommage et j'aimerais que pour les prochaines fois, quand ils comptent rares, ils comptent que les ors. Parce que les argents, ça commence à nous casser les steaks. Pack à 25 000 crédits. 12 joueurs, au moins 10 en or avec 3 rares. Pas d'animation non plus. Ok, merci. Sirigu, Dunker, Kim Soo-young. Ok, Denisov. Ouais, pas grand chose de très intéressant. Après, ça fait un petit peu de joueurs, on va pas se plaindre. Parce qu'à force de faire des SBC, après, il y en a plus. Maintenant, on va ouvrir celui-ci. Contient 6 joueurs, tous rares, au moins 5 or. Ouais, c'est une sorte de demi-pack à 50k. Quelque chose près, en espérant une petite anime, pourquoi pas. Animation or, voilà, au moins la première de cette vidéo qui fait plaisir. Espagnol, Adi... Ah bah, quelle ironie, non, l'anime... Enfin, voilà, tous les joueurs que tu les mets dans les essais, ils reviennent, quoi qu'il arrive. Caliron 83, alors ouais, c'est vraiment... C'est pas très haut, c'est pas très haut. On ouvre le pack à 45 000 crédits. Et là, on peut avoir une belle animation, je pense. Voilà, animation or. La deuxième de cette vidéo. Croate, buteur. Ah bah, Mandzukic, ouais. Ouais, bon. On aurait espéré un Modric qui n'est pas de tot. Après, on va pas se plaindre. Mandzukic, un 83 notes, ça passe. Rudy, 81, ça passe. Voilà, on va pas chipoter. Maintenant, le moment tant attendu de cette vidéo, joueur TOTS de la Liga. Il faut un milieu de terrain, un attaquant, mais pas de défenseur, encore moins Adam, le gardien que j'ai déjà eu précédemment. Alors vous me donnez, je sais pas moi, un joueur offensif. Milieu de terrain, MC, MOC, buteur, je prends, ok? Mais pas de défenseur à SV, parce que je peux plus les caser à un moment entre Azpilicueta, Otamendi et Adam ou Adan. Je sais pas où mettre l'autre défenseur, hein. C'est vraiment la merde. Allez, c'est parti, joueur TOTS la Liga. En espérant avoir du lourd, c'est parti. Bon, déjà, c'est un toss, youpi, hein, heureusement, avec Brazilian, DG, Felipe, Luis. Mais putain, pourquoi j'ai tout le temps des défenseurs? Parce que moi, un gardien, c'est un défenseur. J'ai eu Otamendi, Azpilicueta, Adan, et là, Felipe Luis. Alors oui, ça fait plaisir, c'est une belle carte. Mais je sais pas, donnez-moi un mec qui joue devant, quoi, un MOC, un, je sais pas, moi, un truc qui joue devant, putain. Bon, Felipe Luis, hein, on va pas se plaindre, c'est pas mal, et je pense qu'il coûte quand même un petit peu cher. Alors oui, c'est invendable, mais tu vois un petit peu la valeur du joueur, qui a une très très belle carte, bonne vitesse. Il doit être, je pense, dans les 200 000 peut-être, non 170 000, bon, ma foi, c'est plutôt correct pour un joueur. Après, je sais plus comment je vais faire pour caser mes joueurs, hein, bah, tellement de défenseurs de partout, c'est le bordel. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous êtes très nombreux à regarder la finale. Moi, je regarde au foot, là, il y aura du monde, etc. On va en profiter un max, en espérant, bien sûr, qu'on reparte avec la coupe. Sur ce, prenez soin de vous, merci à tous, et à la prochaine. Bye bye.